Salut bande de gens. Et alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de deux coffrets Pokémon. Donc, un sur le Galéo GX et l'autre Lunala GX. Donc voilà. Donc, on va pas l'ouvrir face caméra parce que ça va être la merde. Mais on se retrouve tout de suite après 5 minutes de pause, une page de pub pour ouvrir ces coffrets. À plus. Au revoir tout le monde. Donc c'est bon, nous avons ouvert. Donc dans les coffrets, donc il y avait des cartes promo. Donc on avait le Lunala GX. On avait Solgaleo GX. C'est de très belles cartes. Et avec belle couleur. Avec leur format XXL. Des vraies cartes aussi. Hein. Voilà. Carte promotionnelle. Donc sinon dedans on avait 4 boosters chacun. Donc pour ma part, moi j'avais un booster avec comme illustration Sylvalier, Mega Tortank, Rayquaza et Brasegali Tempête Céleste. Moi j'avais aussi Brasegali Tempête Céleste, Engloutir en Invasion Carmin. Il y a Évolution, mais je trouve que le booster est quand même vraiment joli. Et Rayquaza avec Tempête Céleste. Voilà. Donc, qui commence? Je te laisse commencer. D'accord, très bien. Donc, on va commencer par Monsieur Brasegali. C'est parti. Hop là. Donc, les petits codes qui servent à jouer, enfin à ouvrir des boosters en ligne. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, hop. On est parti. Alors, on commence avec Mimigal, Ambrilex, Parcool, Love Disc, Dynavolt, une énergie de type feu, Herbe Sauveuse, Pilier Céleste, Chartor, Stylix en reverse et une holo. Résolution de pierre, donc très joli holographique. Voilà, ouais. Alors moi je vais aussi ouvrir celui avec Brasegali. On commence. Mince. J'ai spoilé déjà une carte. Le bordel. T'as même pas donné le petit code. Tout à fait. Et celui qu'il y avait dans la boîte. Ouais. Voilà. Donc, Chuchmur, Gobou, Balbuto, Darabi, Poussifeu, Énergie Tipsy, Tili, Metang, Serpang, Cancléon, et Rayquaza. Ah oui, magnifique. Magnifique. Putain, elle est super belle. Elle est magnifique. Oh non. Premier booster, oh non, elle est super belle, incroyable. C'est le pouvoir de l'excès. Tu sais, quel chanceux, on va t'appeler David. Oh. Alors ensuite, moi je vais prendre celui-ci. Ah bah ça c'est cool parce que celle-là on n'avait pas du tout Rayquaza et ça complète la collection. C'est vachement bien. Ah ouais, vraiment très belle. Hop. Juste ici. Hop là. Allez, on continue avec un nœud 9. Osselet, Ferro-Singe, Tritox, Spoink, énergie de type électrique, Emolga, Galégon, Pachmila. Non, c'est ça? Pachmila, ouais. Ouais. Magikarp en reverse. Okoikingu. Et Regice encore une holographique. Voilà, donc voilà. Donc moi deux holos, est-ce que tu vas avoir une deuxième ultra? Alors on va prier pour, hein, écoute. Donc tu veux lequel là du coup? Pareil que toi, en fait je te suis. On va t'appeler. Donc Invasion Carmin. On va t'appeler le mouton. Sabot. Voici le petit code. 4. Voilà.
Alors, Féro-Singe, Galikid, Crapins, Fantomnus, Malos, Énergie de type obscur, Gravalan, Lalola, Étourvol, Gladio, Feu Forêve, Camérupt, et c'est tout. Pas beaucoup de chance hein, sur celui-là. Bah écoute, hein, un ultra c'est déjà pas mal. Hein. Donc moi j'ouvre le Rayquaza. Et je fais une petite dédicace à monsieur Gentleman Pikachu car je sais que Rayquaza c'est l'un de ses Pokémon favoris car il adore le vert. Donc je te fais une petite dédicace à toi. J'espère que tu passeras par là. Ah bah tu vois, tout est lié. Hein, avec oui, la GX. On pense à toi. Hop là. Donc faut savoir que ces petits codes là ils sont disponibles, enfin vous pouvez télécharger l'application uniquement sur tablette et ordinateur il me semble. Ouais. Ou avec un téléphone, mais je ne sais pas lequel, puisque nous, en tout cas, on ne peut pas. C'est pour ça que nous vous les donnons. Donc on continue avec un Farfuret. Polichombre, Gobou, Terral, Welmer, Énergie de type combat, Montagnard, Échange d'énergie, Pinceau arc-en-ciel, Cacturne en reverse et Katagami. Voilà, voilà. C'est pas trop mal. Mais bon, j'aurais plus de chance. Alors, j'ouvre aussi celui avec Rayquaza. Non. D'ailleurs, le Montagnard, en fait, j'y pense. Le petit code. J'y pense, c'est exactement là. En fait, l'illustration, c'est quand vous jouez à Soleil et Lune, sur DS, du coup, vous avez l'épreuve de type feu quand vous êtes devant Kiawe. Ben, en fait, il faut reconnaître le Montagnard avec les Tritox derrière et les Malamandes. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles oui. Les photos là. Oui, je me souviens. C'est très la même bien. Illustration. Bon, alors je commence. Arco, Cacnea, Gobou, Limagma. Terral, énergie type feu, Posipi, Bekipan, Solarok, Katagami et Deoxys. Très bien. Donc moi je passe au dernier booster, donc XY Evolution. Très joli booster aussi. On va essayer d'en prendre le plus soin possible, sans trop abîmer. Hop là. Voilà, donc il est resté quasi intact. Hop. 2, 3, 4, 1, 2, hop. Et hop. Allez, hop. Oh, mais ça, c'est une ancienne carte, ça. C'est une histoire oui, de base. C'est une ancienne carte. Oui. Donc, très jolie Machoke. Mais je crois que c'est copie. Super beau. Ouais, ouais, il copie le style des anciennes cartes. Mais c'est génial. On apprécie fortement. Hein. Donc Topiqueur, Chenipan, ouais ça fait vraiment plaisir de voir ça, Staros, Porygon, ah ouais avec le Porygon vraiment cubique à la Minecraft quoi, Dresseur, Détermination d'Ondine, oh là là, elles sont trop mignonnes les cartes, Titar, Spectrum, wow, par contre elles sont belles hein, les reverses, hein. Ah ouais, magnifique. Bon, et c'est tout. D'accord. Ça donne okay. Un certain attachement aux cartes. Hein. Ouais, bah tout de suite, ouais, celle-là, on va les garder bien précieusement. Alors, moi, j'ouvre le dernier. Oh. Donc, essaye de l'ouvrir correctement, s'il te plaît. Ah, attendez, que je vous spoil pas quand même, hein. Ce serait dommage. Hop. Oh mon dieu, il a tout perdu. Tout a été perdu. Bon, bah, on a vraiment la. Pas de chance. Vraiment pas de chance. Alors, le petit code. Ah non. Eh ben, le 6. Bon, bah, on fait quand même. Hein. Ah ouais, ça peut mélanger, ça peut mélanger. Ça mélange, ça mélange. Alors, Suspense. Oh. Caninos. Trop bien, Caninos. Starry. Soporifique. À tous les coups, ça va être le bon mélange au final. Ondine, Noix de coco. Non mais c'est pas cette carte. Encore un Entretien.
Énergétique Métal. Mais c'était le. Mew. Mew, putain. Et Dardanian. Ah, c'était presque, hein, c'était vraiment. Mew est vraiment magnifique. Ouais. Il est trop mignon sur son petit caillou. Bah ouais. Voilà, hein. Très belle carte. Non, j'aurais bien aimé voir du coup ce que ça donne les ultra rares dans ces boosters là. Mais bon, du coup, on se contente quand même d'une très belle carte qui est Rayquaza. Vraiment magnifique. Et puis, moi, personnellement, j'ai eu deux holos. Pas celle-ci, du coup. Celle-ci. Et Regice. Donc voilà, le petit récap vite fait. Et moi, je rajouterais Katagami. En reverse. Bon, ça reste une trash mère. Oui. Et Mew. Qui reste un légendaire. Voilà, voilà, bon bah on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très vite pour de prochaines aventures. Et, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ouais, à partager. Oui, et laisser un like. Plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc à très bientôt. À très bientôt. Et vive Karchak Rock. Hein. Comme d'habitude.